massif du Sancy et le château de Murolles. Bonjour. Alors nous sommes le mercredi 15 juin 2022 et c'est mon 12e jour sur le GR30. Donc c'est le dernier jour pour moi. Je termine aujourd'hui, je termine ce matin. Hop, je vais me mettre comme ça. Comme ça vous aurez une belle vue presque du château de Murolles. Donc je termine allez, dans une heure, deux heures, je sais pas, enfin je termine très bientôt ce GR30. J'ai dormi à Saint-Nectaire, à la Villa Saint-Hubert, qui était vraiment très bien, avec la gérante Dominique qui est très sympa. J'ai pu rencontrer, discuter avec deux autres couples qui se promènent ici en Auvergne sur le GR30, donc un couple d'Allemands et un couple de La Rochelle. Voilà, donc soirée sympa. La ville de Saint-Nectaire, ben, vous l'avez vu dans la vidéo d'hier. Sympa aussi, très en pente. Hein. Alors les belles maisons bourgeoises se trouvent en bas, avec les thermes. Et sinon, ben, en haut, c'est l'église. Et en gros, il n'y a que l'église, parce que les maisons n'ont pas tellement d'intérêt. Voilà. Bon, ben là, donc, direction Murolles. Et puis, le lac Chambon, qui est juste à côté. Donc, il ne faudra pas énormément de temps, en principe. La plus petite particularité, c'est que je devrais passer vers la Dent du Marais, qui est une falaise qui surplombe le lac Chambon et qui est assez élevé, on va dire, donc il devrait y avoir un beau panorama depuis là-haut. Je vous montrerai ça bien sûr. Le moulin de l'Androde.
Thank you.